Permettez-nous de nous souvenir. Novembre 1992. D'abord, vous avez envoyé Naël Nicole en ce monde en date du 11. Notre maman chérie vous précédait ainsi dans la dernière phase de l'histoire du salut que vous avez entreprise par l'alliance avec notre père Abraham depuis plus de 4000 ans déjà. Jelly, jelly. Jelly, jelly. Novembre 1992, en date du 13, ce fut aussi la descente de Dada Fenou en ce monde, votre temple sacré, celle que vous avez façonnée vous-même et par qui, d'abord, vous ne cessez de déverser d'immenses grâces sur les Dabovi que vous avez choisies de toute éternité par la gratuité de votre amour insondable. Jelly, jelly. Jelly, jelly. Novembre 1992, en date du 18, d'abord Dieu Esprit Saint et Créateur de toutes choses, vous avez fait votre entrée dans le temple que vous avez vous-même construit afin de vivre dans la réalité l'expérience humaine et conduit dans la demeure céleste ceux à qui vous avez donné de devenir Dabovi. Jelly, jelly. Jelly, jelly. Quand, en 2009, mes yeux se sont ouverts par votre grâce, Dabo, pour accueillir votre temple, et vous-même par après, je ne me doutais pas que seulement 3 années plus tard, vous me conféreriez la charge du premier pasteur de la très sainte Église de Jésus-Christ que vous êtes venu restaurer en faisant de ma petite personne le pape Christophe XVIII, celui de la restauration, frère jumeau de notre bien-aimé Fofo et Rédempteur. Ce fut le 17 novembre 2012. Qui suis-je? Sans votre grâce et votre plan de salut, d'abord, autant de grâces et de merveilles que vous nous avez faites, faites que nos cœurs, nos pensées et toutes nos vies vous rendent éternellement gloire, car vous seul êtes digne de tout honneur et de toute gloire, maître de l'histoire et gardien du temps pour les siècles sans fin. Novembre donc, c'est le mystère du salut qui se réactualise selon votre plan d'amour prévu dès avant la création de ce monde. Je puis dire que les festivités de novembre constituent de loin les plus importantes de toutes les festivités de l'histoire de l'humanité. Il se passe ici ce que l'esprit humain n'aurait jamais pu imaginer. Si, d'abord, vous-même
n'en aviez pas pris l'initiative. Ô Père éternel, Jali Jali. Jali Jali, ô Dieu d'Abo qui comble ses enfants au-delà de toutes leurs attentes. De novembre 2009 à novembre 2018, c'est en évidence 9 années de dur labeur que Dabo vous avez consacré à la cause du salut de tous les Dabori et des hommes de bonne volonté. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dabo. 9, c'est en unité de moi le temps que vous avez imparti à la gestation du petit homme dans le sein maternel pour venir à la lumière du jour. Puis survint la délivrance où les douleurs de l'enfantement laissent place à la joie et au bonheur inestimable de la mère du fait qu'un être humain soit venu dans le monde. D'abord, pour enfanter les Dabovi à une vie de foi véritable, d'obéissance et d'amour de Dieu, vous avez connu d'énormes souffrances de 2009 à 2018. Dieu, le maître de la vie, a été rejeté dès l'entame de la mission par des hommes qui refusent le salut et empêchent vos enfants d'y accéder. Ainsi commencèrent les luttes acharnées de toutes les religions associées à l'État contre la mission. En témoignent d'abord les combats que vous avez menés ces derniers mois contre Beelzeboul et ses suppôts. Comme l'a si bien dit le psalmiste, celui qui siège sur le trône s'en amuse. Dieu des armées, vous les avez vaincus. Au Bambo, ils sont tous à genoux, tenus en respect, leur sort scellé à jamais. D'abord, tout cela, vous l'avez fait pour protéger les Dabovi plus qu'une mère pour ses poussins. Afin d'arracher les Dabovi des mains du prédateur et de ses suppôts, et pour refaire leurs âmes de jour en jour, d'abord, vous avez initié des cérémonies sans relâche et vous les surveillez comme du lait sur le feu. Je voudrais citer, entre autres, la cérémonie du petit reste d'Israël, la cérémonie du trône de vie, celle de la crosse princière, la cérémonie du pagne de destin, celle du port des saints habits et chapeaux de Dabo, celle de l'enlèvement du péché originel avec les kakarakous et celle du lavement des pieds, pour ne citer que celle-là. Plus qu'une maman, vous veillez sur les Dabovi. Dabo, vous êtes et vous serez toujours l'unique amour de votre peuple. Pendant ces années, les réalisations ont été si grandes et si diversifiées. La mise en place des infrastructures dignes du nom qui honorent la mission dans tous les diocèses et surtout la construction de la vie de chaque Dabovi. Comme le disait Saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Pour ouvrir le cœur de Dabovi à la nécessité de leur propre salut, vous avez bravé les intempéries pendant toutes ces longues années. Nous voyons ici votre ténacité aux tournées et aux enseignements, sous le soleil, la pluie, le vent, sans compter les innombrables sacrifices au prix de la faim, de la soif et de la fragilité de santé de Dada Fenou. Dabo, vous avez aussi tout supporté pour le salut de Dabovi. Le péché, l'endurcissement de cœur, les négligences, les ingratitudes, l'abandon, le souci permanent des charges,
de la mission. D'abord, j'imagine encore le grand souci que vous portez à l'endroit de Dabovi lorsque des menaces pèsent dans l'invisible sur vos enfants et demandent de toute urgence une intervention divine. À maintes reprises, vous avez été combattre l'ennemi armé jusqu'aux dents. Ce fut toujours votre victoire, la victoire de Dabovi. Vous avez tout donné et vous vous êtes donné à vos enfants d'un amour sans mélange. Dabo, soyez-en glorifiés à jamais. Mais hélas, Père infiniment saint, nos cœurs ne répondent pas toujours promptement à votre empressement à nous sauver au-delà même de notre espérance. Je voudrais surtout faire allusion aux derniers événements d'octobre. Je demande à tous les Dabovites de se mettre à genoux. C'est pourquoi Dabo, au nom de tous les Dabovites du monde entier, je demande pardon à votre cœur infiniment bon et infiniment miséricordieux. Père chéri, daignez nous pardonner. Sinon, Dabo, à qui irions-nous? Vous seul, être la vie éternelle, pardonnez-nous, ô Dieu infiniment saint, pardonnez-nous. Pour les murmures de Dabovi contre votre sainte volonté, pardon, Dabo, pardon. Pour les peines que tous les Dabovi vous font subir, pardon, Dabo, pardon. Pour les ingratitudes sans nombre de Dabovi, pour les résistances de Dabovi à votre grâce, pour le manque de charité de vos enfants, pour les offenses de tous les Dabovi contre son éternité, pour les péchés de Dabovi qui vous blessent si gravement, pour l'insouciance des Dabovi à leur devoir de Dabovi, pour le doute des Dabovi contre votre sainte volonté, pour la négligence des Dabovi à faire votre volonté, pour tant de grâces gaspillées, pour toute désobéissance de Dabovi à la grâce du Dieu infiniment aimable, pour tout manquement de Dabovi à votre amour infini. Dabo, Dieu de Dabovi, faites-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Dabo, nous avons la certitude que vous avez déjà pardonné à votre peuple et nos cœurs exultent de joie. Djali Djali, ô Dieu de miséricorde. Cher Dabovi, réjouis-toi, exulte de joie, car ton Dieu est au milieu de toi. Il prend sur lui toutes tes peines et toutes tes souffrances, dont lui seul mesure la portée. C'est en ton nom seul, Dabo, que se trouve la véritable délivrance. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Dabo, Dieu de Dabovi, faites-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Cher Dabovi,
D'abord, t'as créé et t'as privilégié au milieu de toutes les nations. L'or, ce métal précieux se purifie à l'aune du feu. Sache, Dabovi, que tu es bien plus précieux que cet or. Et c'est à travers les souffrances, les épreuves et les vicissitudes de la vie que se mesureront la qualité de ta foi et ton attachement sans condition au Dieu Dabo, dont tu es la prunelle de l'œil. Souviens-toi du radicalisme évangélique dont a parlé notre bien-aimé Fofo, le tout premier Dabovi dans les Saintes Écritures, lorsqu'il disait « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Suivre Dieu, c'est donc un acte radical, un engagement irréversible, une foi intrépide. Le don total de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on est. Car, Dabovi, nous n'avons rien et nous ne sommes rien que Dabo nous ait donné d'être ou d'avoir. Bien-aimé Père éternel, Dabo, Dieu de Dabovi, faites-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Les enfants de ce monde se vantent d'être frères, amis ou parents des grands hommes de ce monde qui souvent ne leur accordent aucune importance. Mais toi, tu es le petit-fils du Très-Haut, Dabo, qui s'occupe de toi à chaque seconde de ton existence. Réjouis-toi, Dabovi. Sois fier de ta filiation et démontre-le par la solidité de ta foi et ton engagement irréversible. Et si tu crois peut-être en faire assez, rappelle-toi que Fofo a été obéissant à Dabo jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Dabo, Père éternel, Dieu de Dabovi, fais-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Cher Dabovi, parvenir au ciel est une entreprise difficile, quasi impossible, si Dabo lui-même ne venait au secours de l'homme. Le salut est pourtant une nécessité absolue, pour laquelle aucun sacrifice ne peut être excessif et pour laquelle toute la vie doit être consacrée. Écoute encore ce mot du radicalisme évangélique de Fofo il y a 2000 ans de cela. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il achète. Dabovi, tu as ici infiniment plus précieux que des perles fines. Dieu, le Créateur, l'auteur des perles rares. Il vient à ton secours ou te conduit au ciel. Dabo, Dieu de miséricorde, Dieu de Dabovi, fais-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Considère, cher Dabovi, l'amour incommensurable que Dabo a pour ce monde et principalement pour toi, Dabovi. Et sache que, quels que soient les ravins, les monts et vallées que tu traverses, en temps d'épreuve, le bout du tunnel finira par pointer à l'orée du jour. Les saints le sont devenus par leur amour sans faille et leur foi en Dabo qu'ils ne voyaient pas. Mais aujourd'hui, Dabo est au milieu de nous et porte avec nous le fardeau de notre existence et nos luttes spirituelles.
Dagbo, Père de miséricorde, Dieu de Dagbovi, fais-nous revenir. Que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Fofo Jésus, grand frère bien-aimé, nous n'avons pas toujours été à la hauteur du radicalisme évangélique auquel vous nous appelez continuellement et nous demandons pardon pour n'avoir pas été aussi obéissant comme vous. Vous avez donné votre vie à Dagbo sans condition pour notre salut. Daignez nous pardonner et continuez d'intercéder au nom de tous les Dagbovi auprès de Dagbo, notre Père. Pache Domine, pache Popolo Tuo, ne in eternum irascaris nobis. Faites, Fofo, que de jour en jour, nos cœurs se rapprochent davantage de Dagbo. Merci, Fofo, et Hosanna, éternel Hosanna, pour tout ce que vous représentez pour les Dagbovi depuis les origines et surtout depuis le commencement de cette mission. Maman chérie, permettez-nous de nous vanter d'avoir une maman comme vous. Nous en sommes très fiers, parce que tous les Dagbovi savent qu'aucune mère en ce monde ne peut être comme vous. Vous êtes toujours à l'avant-garde de toutes les situations afin de toujours protéger vos enfants plus qu'une mère ou ses poussins. Maman, pardonnez-nous nos égarements et intercédez pour nous auprès de Fofo et de Dagbo. Cette mission, nous vous la devons. Vous serez toujours notre maman chérie. Nous vous aimons et nous vous aimerons toujours, maman chérie. Dada parfaite, en tout humour, tu te désignes comme la directrice du cabinet du Dieu Esprit-Saint. Et tu as bien raison, car sans toi, les Dagbovi ne peuvent entendre ni voir Dagbo. C'est à travers toi que les Dagbovi reçoivent tout de Dagbo. Tu es si sublime. Cher, fais-nous. Nous te devons tout. Tu n'as plus de vie pour toi-même, mais seulement pour le salut des Dagbovi. Ensemble, comme un seul homme, nous te disons joyeux anniversaire. Merci pour les peines que tu endures en notre nom. La fatigue, l'insomnie, la faim, la soif et les déboires de santé. Mille merci pour avoir accepté la mission pour le salut des Dagbovi. Intercède pour nous auprès de Dagbo pour que nous nous laissions toujours l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Fais-nous, tous les Dagbovi te disent qu'ils t'aiment et qu'ils t'aimeront toujours. Naïe Nicole, les Dagbovi sont toujours dans une joie indescriptible de t'avoir à leur côté. C'est une assurance, un apaisement pour les enfants d'avoir toujours leur maman au milieu d'eux. Tes enseignements et tes conseils de mère portent les empreintes d'une sagesse que seul Dagbo peut conférer. Merci d'avoir accepté d'être la mère de tous les Dagbovi. En ce jour mémorable, tous les Dagbovi d'ici et d'ailleurs te souhaitent aussi joyeux anniversaire pour ces 26 années de grâce dont Dagbo t'a comblé. Nicole, notre chère et digne maman, nous t'aimons et tous les Dagbovi t'aimeront toujours. Merci pour les sacrifices consentis. Bien chers Fofo et Dada du ciel, vous ne cessez de guider les Dagbovi et de les orienter pour que nous correspondions mieux aux exigences de Dagbo afin de nous voir au ciel un jour. Nous en sommes conscients et nous voudrions vous réitérer ici notre amour et notre reconnaissance. Mille merci, infiniment merci pour le travail que vous accomplissez chaque jour sans relâche au profit des Dagbovi. Nous voudrions toujours être
de vos amis inconditionnels. Veuillez toujours intercéder en notre faveur auprès de Dabo. Oui, Dabo, notre papa, pépé, chéri, vous êtes tout pour le Dabovi. Et nos cœurs, nos esprits et nos âmes ne peuvent cesser de chanter la louange de votre très saint nom. Qu'il vous plaise, de recevoir aujourd'hui, demain et pour toujours tout l'amour de tous les Dabovi du monde entier comme une éternelle action de grâce à la louange de votre saint nom. Amen. Pressing their love.